Ça va? Ouh, la cassation! Ouh là là! Ah, c'est vrai! Escroc au pluriel, hein, bien sûr! Ah oui, au pluriel! Les salut! T'y vas bien? Elle est pas là, la pharmacienne? Rico Roux, il est au RPF ou pas encore? Il a au moins dû aller en éthique, non? Ouh là là! La tournée mondiale des droits de l'homme, En ce moment, c'est la tournée mondiale des procès perdus. Hein. Je sais pas ce que t'en penses. Escrocs au pluriel, bien sûr. Bien sûr, au pluriel, toujours. Attention, les escrocs terrestres sont parmi vous. La confirmation en cassation de la condamnation en appel de la Scientologie pour escroquerie en bande organisée et exercice illégal de la pharmacie. 600 000 euros. Et alors maintenant? Maintenant, ils vont essayer d'aller à la Cour européenne des droits de l'homme. Que c'est pathétique. Ah là 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 là, 600 000 euros quand même. Encore une bêtise et c'est définitif, hein. Ah bah oui, là ça va être... Ça va être définitif, c'est la dissolution. Qu'est-ce qu'il y a sur l'écran là? Ça y est, j'ai vu ce qu'il y avait sur l'écran. C'était des stats d'une audition. Il faut une audition. Pourtant, le tribunal avait dit que ça n'avait absolument aucune valeur scientifique, hein, c'est bien ça. Comment vous allez payer? Ils ne pourront plus payer, ils seront obligés de fermer, ils vendent le bâtiment. Mais non, il y a un autre moyen. Je crois qu'en Suisse, il y a des techniques qui sont légales, qui ne sont pas légales en France. Tu vois de quoi je veux parler? J'ai des vitamines, je me sens tout faible. Aidez les gens à se comprendre. La scientologie, c'est une escroquerie. On veut de l'agnacine. Oui, donnez-moi de l'agnacine. Ah oui, de l'agnacine. Ah, t'as bien vu 4 millions, tu vas fais gaffe à vos poches, c'est des escrocs. Bon, on préfère les faire attaquer au tribunal, c'est beaucoup plus drôle. Il y a des pickpockets dans le quartier. Attention à vos poches. Ils sont pas contents parce qu'il y a Xenu, tu vois. Alors ça les emmerde beaucoup. Eh, hey, t'as vu, regarde, il y a le bureau de leur gourou alcoolique, L. Ron Bobard. Bonjour, alors la cassation, ça fait mal? Un petit peu de vaseline, peut-être. Je suis super content. Dites bonjour à Eric de ma part! Je l'aime! Il est pas là, Rico! Ah, il était pas content! Scientologie.fr, escroquerie.fr, 600 000 euros quand même, hein! Ah là 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 là! Les sectes, franchement, c'est terrible! Hein. Dynetics! Regarde, il y a des enfants dans les sectes. Ah, mariage heureux. Non. Regarde, des enfants dans les sectes. Non aux enfants dans les sectes. Non aux enfants dans les sectes. La secte dans les enfants. Ouais, non aux sectes dans les enfants, hein, parce que... Vu ce qui s'est passé en Australie... C'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Coucou. Ouais, Rico, il a été voir Miscavige histoire de se faire redresser les côtes. Ah, c'est pour bientôt apparemment. Ah, c'est vrai quand même que 600 000 euros. Non mais t'imagines. Bah oui, c'est un spectacle. C'est là au 69. Ah, ils essayent de trouver 600 000 euros, hein, donc ils organisent des concerts. Ah là là, les sectes. Je te remercie, allez, bonne soirée. Salut. Ciao. 600 000 euros, ça doit être dur, non? Ça fait quoi d'être condamné? Bah, ils ont plus rien à bouffer, voilà ce que ça fait. Ah bah voilà, ils essaient d'escroquer le jeune homme, là. Ils organisent des concerts. Bah alors, vous en parlez pas de votre condamnation pour escroquerie en bande organisée, exercice illégal de la pharmacie? 600 000 euros d'amende, quand même. Eh, c'est encore sous Windows XP, hein. C'est pas le derrière.
Hugo? 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 Ah bah eux ils les vendent pour 300 000 euros monsieur, 300 000 euros l'histoire à dormir debout. Lui il est gratuit hein. Eux ils le vendent 300 000 euros, lui il est gratuit. Récemment. Du harcelé, pauvres perdus, ont perdu leur procès. Ah bah oui, pour escroquerie en bande organisée. Tout à fait. Et maintenant, ils demandent... La Cour européenne. À la Cour européenne des droits de l'homme. Oui, oui, bien sûr. Bah, oui, ici les amis de Ron Bobard, l'escroc du 69. Ça va? Bonsoir. Ah ben nous on va partir là. Ah, oui. Mais attends-nous sur place, on arrive, ok? Il y a un peu une drôle de tête, mais enfin bon. Bah reste là, je te rappelle. À tout à l'heure. Bon, salut. Enfants, courage. Merci beaucoup, ouais. Bonne soirée, messieurs. Merci. Mais à mon avis, c'est à eux qu'il va falloir du courage, hein. Faut qu'ils trouvent les sous maintenant. Hein? C'est ton famille? Bah oui. On va aller. Mais nous, on est des gens riches, on va aller chez Fauchon, on va bouffer avec votre amende. On reviendra. Au revoir. Salut.